Re-salut à tous. À tous. Je me comprends. Hop. On est reparti sur Earthbound. Ah mince, j'avais oublié. Tac. Voilà, ça c'est réglé. Ouh, c'est quoi cette touffe de cheveux? Allons-y. Hop là, mince, je me suis planté. De fenêtre. Et on est reparti. Donc oui, j'ai fait un peu de level up, donc en off, et il se trouve que j'étais jusqu'à la fin de la caverne. Effectivement, il fallait bien y aller. J'ai pas fait l'attaque, j'ai pas attaqué le boss parce que je voulais le faire en live, mais c'est bien là-bas qu'il faut aller. Il y a un deuxième boss comme il y avait eu dans la caverne des pas de géants. Ah merde, j'ai pas fait gaffe. Je parle et je regarde même pas ce que je fais. Hop. Et donc je disais oui, la caverne des pas de géants, blablabla. Oui, donc il y a un deuxième boss, alors je suppose que ça va nous faire une autre mélodie. Puisque apparemment c'est ça qu'il faut trouver, si je dis pas de conneries. Alors inventaire. Hop. Pierre d'écho. Aide, pierre d'écho, si vous portez ceci à votre front, vous concentrez, vous pouvez entendre les mélodies de vos sanctuaires. C'est ça, c'est ça. On a récupéré la mélodie des pas de géants. Et je pense que ça sera la seconde mélodie, là. Si je dis pas de bêtises, évidemment. Voilà, on y va toujours à la bourrine, parce que... je ne sais pas faire autrement, malheureusement. Mais si je me débrouille pas trop mal, ça devrait le faire. Même en utilisant des points de pouvoir pour guérir Paula avant le... puis même moi-même. Enfin, mais moi-même. Et pour guérir Ness aussi. Avant le combat du boss, normalement, on devrait s'en sortir pas trop mal. Oh, il est tout seul. On va pouvoir le faire. On va pouvoir se le faire. Hop. Ah, c'est qu'il fait mal là. Le petit bâtard. Wesh. Hop. Ah parfait, parfait, parfait. Vie sur Paula. Et moi, je sais pas si j'en ai besoin, mais... ouais, bon, d'accord. De toute façon, vu que ça restaure 20 pp, j'en ai dépensé 10. Voilà, voilà. Alors... j'espère ne juste ne pas planter de chemin. Histoire de garder quand même un maximum de PV pour le boss. De PV et de PP. C'est un peu moche PP quand même. Oui, je triche un peu, j'utilise la technique. Je change d'écran pour faire apparaître les ennemis qui m'intéressent. Après, je sais pas si c'est vraiment de la triche dans la mesure où c'est le jeu qui détruit ça. Ah, niveau 15 pour Paula. Tape monte de 2, la vitesse monte de 2. Ah, j'ai quelqu'un qui me parle. Tuk tuk tuk. D'accord. Le courage monte de 1, le QI monte de 1, le maximum de points de vie augmente de 3. Le maximum de points de vie augmente de 2. Paula maîtrise la technique psy aimant. Hop, ça fait quoi donc cette psy aimant? Hop, absorbe 2 points. Ah oui, celle que ces saloperies de graines mobiles utilisées sur nous. Ah, c'est bien ça. Par contre, ça, il faut utiliser combien de poids de psy?
Parce que si c'est utiliser 2 pour en gagner 2... Ah, ça coûte rien du tout. Eh ben, c'est vachement bien, ça. Ah bah, de toute façon, c'est toujours comme ça, hein. Les choses qu'on trouve les plus chiantes dans les attaques des ennemis... Généralement, quand on peut l'effectuer, ça devient tout de suite plus cool. Hop. Alors, juste, voilà, si jamais quelqu'un passe qui a un problème de son, etc., n'hésitez pas à le dire. Ah, ben voilà, parfait. Un coup gratuit. Même deux, puisqu'il y a Paula et Ness. Et ben voilà, ça c'est fait. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Et voilà le boss. Alors, on va essayer d'y aller. Hop. Tout bêtement, oui, j'ai un peu triché parce que ça me ferait chier de me retaper toute la caverne si je meurs. Vous voilà enfin. Ceci est votre second sanctuaire. Mais il est désormais à moi. Venez me le prendre si vous l'osez. Et alors, qu'est-ce qu'on contrebande ? Oh là ! Il y a une sale gueule cette taupe. Alors, on va utiliser la psy horde 2 et on va utiliser tiens la psy foudre pour voir. Ah merde. Aïe. Psy soin vie sur Paula et on va utiliser. Poum, poum, poum. La psy glace, tiens. Ah mince. Ça lui fait quasiment que dalle. Aïe. Heureusement que c'était pas sur Paula, ça. Aïe, 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 aïe. Soin. Sur Ness. Et on va utiliser la psy flamme du coup, parce que est-ce que ça marche mieux? Ça marche mieux déjà. Hop. Alors, frapper et psy flamme du coup, parce qu'on voit que ça marche bien. Enfin, ça marche bien, ça marche plus que le reste quoi. Ah merde. Attaque. Psy flamme et on est parti. Et ben voilà, victoire 2896. Ah c'est bien ça. Niveau 26 pour Ness, attaque monte de 2, la vitesse monte de 1, vitalité monte de 1, chance monte de 1, maximum de points de vie augmente de 12, maximum de points de psy augmente de 2, et Paula atteint le niveau 16, avec une attaque qui monte de 1, une défense qui monte de 2, une vitesse qui monte de 1, une courage qui monte de 1, une vitalité qui monte de 1, le QI qui monte de 3, la chance monte de 3, maximum de points de vie monte de 3, et le maximum de points de psy augmente de 14. Ce qui est bien. Surtout que Paula se bat surtout avec des points de psy. Ness a la vision d'un bébé dans une casquette rouge. La pierre d'écho de Ness capture la mélodie des parikiki. Après le pas de géant, les parikiki. Et maintenant, comme l'annonce le titre du live, en route vers Freak. En tout cas, on va essayer. Alors, attaque surprise, c'est parfait. J'aime quand les ennemis fuient devant moi. On se sent puissant.
Alors... Psy Ordi 1... Et la Psy Flamme. Allez, on va régler ça rapidement. Ah, même pas. Hop, et normalement, là, c'est fini. Victoire! Désolé. Bon. Je suppose que maintenant, vu que les ennemis fuient devant nous, cela veut dire que nous... Alors... Vie sur Pola... En fait, il n'y en avait pas vraiment besoin. Donc ça veut dire que... Je pars du principe que, quand les ennemis fuient devant nous, c'est qu'on est arrivé au level qu'il faut et qu'on peut enfin changer de zone. Victoire! Ah, c'est simple quand ça se passe comme ça. Allez! Je sais pas pourquoi je m'auto-censure au niveau des insultes, sachant que j'en ai dit quelques-unes. Ah, Paul atteint le niveau 17, attaque point de 1, maximum de points de vie augmente de 2, maximum de points de vie augmente de 2. Chut, victoire! C'est simple quand ça se passe comme ça. Comme le disait la taupe amicale, qui a le temps pour combattre du menu frétin, hein? C'est bien plus simple quand on peut récupérer juste l'expérience comme ça. Bon, je pense que maintenant, traverser la forêt ne sera pas un problème, même avec la chips qui est Paula. Alors si, on va commencer par faire un truc, c'est qu'on va commencer par sauvegarder... Et appeler le maire de Ness parce que je ne sais pas si elle a le mal du pays, mais ça risque d'arriver vite. Famille 445, ça avance bien niveau pognon. On sauvegarde. Hop. Hop, parler à maman. Hop, j'ai entendu dire que tu as trouvé une petite amie. Pourquoi tu vas la présenter un peu plus tard? Sentiment qu'elle doit pas être loin de toi. Pas su de bonjour de ma part. Je dois y aller. Je suis en plein curage des toilettes. A plus. Je pensais qu'il faudrait bien que je les récure moi aussi, mes chiottes. Enfin bon, ça n'a rien à voir ici, mais. C'est vrai que ça serait pas une mauvaise idée dans l'ensemble. Je vous rassure tout de suite, hein, c'est propre. C'est juste que voilà, c'est pas d'un blanc éclatant. Alors, on va rester ici parce que c'est gratuit. Alors que là-bas, ça coûte 50$. Donc, tant qu'à faire, autant se soigner là. Même si, si on récupère pas grand-chose, hein, c'est histoire d'être en pleine forme avant de retraverser la forêt. Où les ennemis devraient fuir devant nous aussi d'ailleurs. Si tout est bien foutu. Hop. J'ai enfin une chance de présenter mes excuses. Ah, c'est tout. D'accord. Bah, pourquoi pas, excuse acceptée. J'ai envie de dire. Apparemment, les ovnis... Oh, saleté, j'ai horreur de ça. Les ovnis sont pas encore... On n'est pas encore assez haut niveau pour les faire reculer.
Ah, ça viendra. Hop, non, c'est pas vie, c'est soin. Sur NES. Hop là. Et d'ailleurs, le grog que j'ai acheté, je m'en suis toujours pas servi. Enfin, je m'en servirai la prochaine fois, ça me fera économiser un peu de temps aussi. Alors, l'arbre. Ah oui, par contre là, ça va être un peu chiant. Et continue de faire mal, hein, cette pied d'arbre. Non, 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 non. Voilà. C'est comme je disais, plus l'ennemi disparaît vite de l'écran, moins on perd de points de vie. Hop. Alors du coup, est-ce qu'il est toujours là? Oui, viens ici. Ok. Voilà, on a récupéré tous les points de pouvoir. Sérieusement? D'accord. 67 d'expérience. Avec ça, je vais au moins monter 4 niveaux. Alors, si je ne me plante pas, oui, c'est ça. J'avais été en bas. Alors, est-ce que je me souviens plus s'il est toujours là? Oui, on va aller chercher le cadeau. Du coup, vu qu'il y a maintenant Paula, elle a de la place dans son inventaire. Je n'ai même pas servi des sandwichs en fait. Ni des hamburgers que j'ai sur NES. J'en servirai peut-être tout à l'heure plutôt d'utiliser des points de pouvoir. Ça peut être une bonne idée. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que ça peut être une bonne idée. Hop. Voilà. Une bombe. Je suppose que c'est pour éliminer tout un rang d'ennemis en même temps. C'est un objet. À mon avis, ça doit être un objet utilisable en combat, parce que sinon je vois pas le. Je vois pas l'intérêt en tout cas. Et ces ennemis là sont tout juste moins intéressants quand on est à deux. C'est vrai que le fait que ça divise l'expérience par deux, c'est ennuyant. Alors. Oh, j'avais un cookie. On va utiliser le cookie hein, parce que ça sert à rien du tout. Hein. Inventaire. Et on va prendre un hamburger aussi. Voilà. Ah, le pont est réparé. Bonne chose ça. Parler bleu bleu. Oups, je dois me taire. J'ai réparé le pont à titre d'excuse. J'essaie juste des. Ah bah c'est cool. Désolé. Hop, c'est ça de. De fumer, ça fait tousser. Parce que je suis un abruti, je devrais pas fumer. C'est vraiment une saloperie, la clope. Ça, c'est le genre d'habitude quand on. Qui sont difficiles à arrêter une fois qu'elles sont prises. Mais hein, le meilleur moyen d'arrêter, c'est de pas commencer, comme dirait l'autre. J'avoue que j'aurais préféré écouter. Hop. Ce qu'on m'a dit à l'époque. Désolé, je sens. J'entends que ça sonne. Qu'est-ce qui se passe? Tuk tuk tuk. Non, c'est juste une vidéo, je regarderai plus tard. Hop. Allez. Donc, je le rappelle parce que voilà, on doit prendre le bus pour aller à Freak. Le problème, c'est que les fantômes qu'il y a sur la route vers Freak nous empêchent d'accéder directement au. À la route, puisqu'ils nous font faire demi-tour quoi qu'il arrive. Et on a appris par le mec qui est devant le. Par le mec qui est devant le. Oh merde, comment ça s'appelle? Le tunnel. Que si. Que les fantômes n'ont pas l'air d'aimer la joie de vivre et qu'ils détestent tout ce qui est musique. Or, il y a justement un groupe de musique
à Tucson, les Runaway Five, qui font un peu Blues Brothers, je trouve, pour ceux qui y connaissent. Et je pense qu'il va falloir convaincre les Runaway Five de venir avec nous. Sauf qu'ils ne peuvent pas partir tant qu'ils n'ont pas payé leur engagement donc à l'autre abruti là-haut. Donc je sais pas trop comment on va faire. Alors je sais qu'il faudrait aller donc par là pour essayer de voir un peu ce qu'on pourrait faire. Puis qu'il faudrait ramener Paula voir ses parents quand même. Mais j'ai bien envie. Alors ça va prendre ça va prendre pas trop longtemps non plus, je pense. Ça va pas prendre trop longtemps. Essayons de parler correctement. Je veux aller donc à Onet pour voir ce que dit la mère de Ness. Hop. Parce que apparemment il y a je sais pas, enfin par rapport à la discussion au téléphone. J'ai envie de voir ce que ça fait. Voilà, voilà. C'est de la curiosité pure et simple, ça se trouve en fait. Il y a absolument rien qui est expliqué à ce niveau-là. Mais j'ai envie d'essayer. Après, c'est pas comme si le trajet était trop long non plus. Et si je dis pas de bêtises, je crois que après avoir été vers Fluc, sachant qu'on peut pas retraverser le tunnel, je crois que c'est un peu mort pour retourner dans les deux premières villes. Du coup, je profite d'y aller tant que je le peux. Hop, je vous laisse. Et voilà, je veux savoir ce que nous. Ness, inutile de dire quoi que ce soit. Ta-da-da-da. Tiens, prends le steak et file le lit. En fait, non, elle dit toujours la même chose. Ok. Et elle, est-ce qu'elle peut me prendre des objets? Tiens, ce serait une bonne idée, ça. Pardon, tu me disais quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu veux stocker? Qu'est-ce que tu veux stocker? Je veux stocker. Je sais pas ce que c'est ça. Caramel psy. Non. Hop. Désolé. Décidément. C'est le fait de parler, ça. Ça me grippe un peu la gorge qui est déjà bien irritée. Apparemment, le fait de parler aussi, ça ne mérite pas que la gorge. Après, ça en irrite certains aussi. Qui n'aiment pas ma voix, tout ça, tout ça. Bon. Est-ce que le mec qui donne des astuces aurait un truc à dire ici? Un instant, je peux te donner une astuce pour pas cher. Disons 35. Oui. À l'école maternelle Postard, le père de Paula doit être très inquiet. Il doit être au sentiment d'un père envers sa fille. Il est humain, tout simplement. C'est tout pour aujourd'hui. Ok. Donc, on va aller à Tucson. De toute façon, on devait y retourner. Et on va aller à l'école Postard. Voir le père de Paula. Hein, pour qu'elle puisse le rassurer, lui dire oui, je suis toujours en vie, tout va bien. Ce qui serait effectivement la moindre des choses, quand même. J'ai eu bol de me retourner au dernier moment. Parce que, fuite devant Nest, les amalites dans ma doge. Le problème, c'est que Paula leur fait pas peur. Ce qui fait qu'elles ont tendance à se jeter sur Paula une fois qu'on a deux. Mais. Ah, ça ira pour cette fois. Ou alors, je sais pas. Non, j'arrive pas à comprendre le. Ah, d'accord, c'est qu'il y en avait deux. Je suppose. Non, j'arrive toujours pas à comprendre la logique. Derrière tout ça.
hop. Ouh, de la sauce tomate. Alors j'ai toujours pas compris comment on met directement. Donc, on m'a dit que si je... Ce que j'ai bien compris, ce que dit le mec. Aide, sauce tomate, pour l'utiliser en l'utilisant au-dessus de vos aliments. Une bonne combinaison. Un problème, c'est que si je fais utiliser... Hop, donner... Ouais, d'accord, donc ça change rien. Non, je comprends toujours pas comment on l'utilise, du coup. Mais c'est pas grave, hein. Ont un vrai parcours du coup. Dès qu'elles sortent de l'écran, elles n'existent plus, mais elles ont un petit parcours quand même de défini. Hop. Je pensais pas qu'il y aurait encore des ennemis directement dans la ville. Sachant que comme on a vaincu Carpainter, je crois qu'il s'appelait le mec. Je pensais que du coup on allait. Moi j'aime bien bloquer les taxis comme ça. Voilà. Oui, je pensais qu'on allait du coup. Ah mince. Ne plus recevoir d'ennemis ici, puisque je pensais qu'ils étaient liés au culte en fait, vu qu'ils étaient tout bleus. Oh Paula. Ness, merci infiniment. Tu dois être le garçon qui sauvera le monde. Celui qui t'a paru dans le rêve de Paula. Paula, c'est certain, tu seras d'une grande aide, Ness. Ce n'est pas tous les jours qu'un père autorise sa fille à partir en voyage pour sauver le monde. Sandek. Papa, ne t'en fais pas. Ness et moi, nous ferons attention. Nous rencontrerons notre prochain ami dans la ville d'à côté, Freak. Si nous pouvions combiner nos pouvoirs, nous serions invincibles. Essuie tes yeux, mouche-toi et fais-moi un sourire avant que nous partions. Au revoir, Paula, ne t'en fais pas, je ne pleurerai plus. Bon, bah ok. Ok. Hop, yaou, je le savais, c'est toi qui as sauvé Paula. Même si je peux pas l'expliquer, je sais que Paula possède de fabuleux pouvoirs et qu'avec ton courage, vous pourriez résoudre n'importe quelle situation. Paula, si tu dois partir, assure-toi d'avoir ceci avec toi. C'est mon premier bandage fait main. Ness obtient le bandage. Tu as eu ton père, et désolé d'avoir pu suspecter Monsieur Everdred du parc rapide. Paula est comme une mère pour moi, mais tu n'es peut-être pas capable de comprendre ce genre de choses. Peut-être une tête d'ange, mais en réalité, je suis très mature, je te demande pardon. Ouais, non, ça change pas. Hop. Bonjour, Ness. Everdred te cherche. Il y a quelque chose pour toi. Ah, on va aller voir Everdred, du coup. Dans le parc Rapine. Il doit être dans la cabane, du coup, Everdred. Je voulais te demander d'être mon partenaire, mais je sais que tu vas refuser, ça se voit à ta planche. Je comptais te donner cet argent uniquement si tu acceptais, mais tiens, prends cette valise. Il y a 10 000 dollars à l'intérieur. Utilise ça comme tu veux. N'en fiche pas de ma générosité. Prends cet argent. Maintenant, il faut que je mette la main sur la statue magnifique de Mani Mani que Tommy X a géré à Denis C. à Honnête. Ah, bah c'est celle-là, oui, justement. Je suis sûr. Nous nous reverrons peut-être un jour. Ness obtient les billets. Ah, génial! Mais la situation se résout d'elle-même, vu que nous ne pouvions pas partir et qu'il nous fallait, comme je disais tout à l'heure, les Runaway 5 pour faire de la musique, pour faire peur aux... Oh là, c'était quoi ce bug? Ouais, d'accord. On va aller voir donc le propriétaire du théâtre. Lui payer ce que lui doivent les Runaway 5. Et ensuite, ils pourront venir avec nous. Leur me doivent beaucoup d'argent, ils resteront là tant qu'ils ne m'ont pas payé. Ça se pourrait qu'ils restent là un siècle, sauf si tu veux payer leur dette. Bah... Hop. Pardon? Tu veux qu'on parle affaire? Non, non, vraiment, plus tard, après le spectacle. Je gère mon argent en suivant des règles très strictes. Merde. Où est-ce qu'il faut que j'aille?
Bonjour, veuillez présenter votre billet. Oui, d'accord, j'en ai toujours pas. Tiens, tu as une fille avec toi, tu dois être populaire. Ça te dirait de la présenter à notre groupe? Bah oui, c'est ce que je fais. Hé, hey, t'es venu avec Paula, tu mérites bien un petit cadeau, Casanova. Voici un pass VIP. Vous pourrez voir nos spectacles avec ça. Paula obtient le pass VIP. Génial, donc c'est là où on va pouvoir passer. Ah, le photographe. Le retour du photographe. Photographie automatique. Je suis un génie de la photographie. Et encore, je suis modeste. Regardez l'appareil, c'est bon? Dites cornichon crépu. Oh, elle est superbe. Elle te rappellera cet instant à jamais. Adieu. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors toujours la même chose, hein, si quelqu'un passe ici, s'il y a un souci avec le micro, avec le son, n'hésitez pas à le dire. Et on peut utiliser le pass pour rentrer. Hop. Voilà, dépêchez-vous, vous arrivez juste à temps pour le spectacle de Runaway 5. Mais comment vous faites pour obtenir des billets? Vous êtes de la famille propriétaire ou quoi? Je suis ici parce qu'on m'a dit que c'était un lieu à la mode. Mais je suis un peu déçu. Il n'y a ni hôtesse ni gogo danseuse. Oui, bah, bref. Je sais, c'est minable de divertir notre associé devant un spectacle de Runaway 5. Mais comme je suis nouveau dans la boîte, je devais pas trop l'ouvrir. Oui, bon. Mon copain a perdu le billet que je lui ai offert. Il attend devant l'entrée. Il est maladroit, mais plutôt mignon. Bien, bien. J'ai un petit enfant devant moi qui me parle comme un adulte. Tu sais quoi? Tu as des tripes, petit. Ok. Quelle belle brochette de crâneur. Ils ont juste rempli ce petit café théâtre, rien de plus. Hé hé hé, reste pas trop près. Je viens de lâcher une caisse. Oh putain. Désolé. C'est pas vrai. Ah ouais, non, mais ça vole bas, là, quand même. Les Runaway 5 seront des stars internationales un jour. Vous n'arrêtez pas de courir partout et de parler à tout le monde. Franchement, ça me tape sur les nerfs. Tu aimes le baseball? Non. Bien, je vois. En même temps, un rustre comme toi n'a pas les capacités pour comprendre la subtilité d'un jeu aussi sophistiqué. Oui, bien sûr. C'est un jeu sophistiqué, le baseball, bien sûr. Ah, c'était Casquette qui t'a trahi. Oui, bon, d'accord. Je pensais qu'il me donnait quelque chose. Mais à qui parles-tu? Bah, la petite, là. Lucky des Runaway 5 m'a dit que je pouvais aller dans les loges, mais j'ai pas de passe. Je suis sûr que les gars de la sécurité me laisseront jamais entrer. Hein? Sérieux? Tu as un passe VIP? J'y crois pas. Je peux venir avec toi? S'il te plaît! S'il te plaît! S'il te plaît! Je peux me passer, faire passer pour ta sœur? Ouais? Ça fait? Allez, on y va! Wouh! Je suis trop contente! Mais bon, bah tant pis. Ah non, mince! Bon bah tant pis. Ce soir au café théâtre Chaos, c'est de la soul à gogo. On va boucher, danser, sommer les fesses comme jamais. Voici les meilleurs bluesmen au monde, les Runaway 5. Faites-leur un accueil digne de ce nom. Et les voilà, yeah. Ça balance. Ah, franchement, c'est plutôt cool. J'ai envie de dire ça, c'est fait. Hop. Ah. Salut, c'est papa. Ça fait un moment que tu es parti. Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais tu ne penses pas que ce serait bien de faire une pause? Non. Ah, bon, d'accord. Même si je suis pas d'accord, je comprends que les destins du monde repoussent sur tes épaules, tout ça. Force pas trop de... D'accord? Oui, d'accord. La, la, mimi. J'ai pas du tout l'oreille musicale. C'est ma fille qui a voulu me traduire jusqu'ici. Fa, la, la, mi. Oui, bien sûr. La 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 la, j'adore le ragtime.
Les Runaway Files sont si sexy, mon mari aurait définitivement besoin de cours dans ce domaine. Waouh, c'était vraiment génial. C'était pas mal, effectivement. Entre vite, ne sois pas timide. Qu'en penses-tu? Tu veux revoir le spectacle? Non. Notre musique est trop puissante pour toi, alors. Je m'en doutais un peu. Je suis trop contente. J'en mouillerai ma culotte. J'ai le cœur qui bat la chamade. La thune, c'est ce que je veux. De la thune. Ce qui est chaud, la thune, c'est ce que je veux. C'est énorme. Je me demande une nouvelle chanson. Je suis pas ridiculisé, si. C'était tout simplement génial. On peut pas être au top tous les soirs, mais là, c'était vraiment bon. Oui, effectivement, c'était sympa. Monsieur Malmené, le gérant te cherche. Je me demande ce qu'il te veut. Ah, bah oui, c'est vrai. On était venu là pour rendre la valise de billets. Enfin, pour donner la valise de billets. Sinon, on pourrait acheter une maison bidon à 7500. Oh, pardonnez-moi. Je crois que j'ai perdu mon billet, du coup, je vais pas pouvoir rentrer. En plus, c'est un concert à guichet fermé. Oui. Je pensais pouvoir lui donner mon billet. Enfin, tout ça pour après. Alors. Inventaire. Parler. Ah, les Runaway Files me doivent beaucoup d'argent. Blablabla. Ok, donc c'est bien ce que je voulais faire au départ. S'il vous plaît, qu'est-ce que c'est ça? Laisse-moi regarder de très près. Pose ça devant mes yeux. Ah! Oh, tu m'as fait peur. Du coup, je sais plus quoi faire. Ah ouais, j'ai eu mes sous. Bon bah les Renault F5 va partir. Maintenant que j'ai mes sous, j'ai plus rien contre eux. C'est quoi? Ce gamin nous a enlevé une belle épine du pied. Oh, ça signifie que nous pouvons donc sortir de ce trou à rats. Je suis un bon conducteur, viens, je vais te montrer ça. Très bien, direction la ville la plus proche. Je suis sûr que notre vieux tas de ferraille nous mènera jusque là. Je me suis pas ridiculisé, si. T'as dit toujours la même chose. Yeah, on a un transport vers Freak. Nous allons à Freak. Notre bus est bien trop brillant pour que les fantômes osent s'en approcher. Ah bah oui, je vais faire un tour. C'est parti, monte dans le bus. Ah, c'est dans l'autre sens. Ok les mecs, c'est parti mon kiki. Saleté de trottoir. Allez, tourne. Elles sont bien les musiques de jeu. Après, j'avoue que j'aime beaucoup les musiques de Runaway Files parce que c'est un peu jazzy et tout. Nous allons devoir nous séparer ici. Cette ville semble assez lugubre, mais je suis certain qu'il vous suffira d'un sourire pour illuminer les lieux. Bon, je vous dis à la prochaine, j'espère. Nous allons à Forsyth tenter notre chance. Et ben nous voilà arrivés à Freak. Ah, Freak, pardon. Parce que Freak, c'est autre chose. Alors, camping interdit, sauf si vous en avez la permission. C'est vrai que c'est sympa comme atmosphère, mais comment faites-vous pour sourire dans un camp pareil? C'est vrai, je travaillais pour les zombies, mais je les ai trahis aussi. Je suis un véritable vendu. Je savais qu'en retournant ma veste, Glavio a redonné vie aux zombies, mais travaillait pour Gigas. J'ai cru comprendre que Gigas était une femelle, mais à vrai dire, j'en suis pas certain. Comme Mouchard, je sais que je ne le scelle pas. Ah bah oui, effectivement. Gigas, je sais pas ce que c'est, mais enfin... Exactement, il n'y a personne, d'accord. Ou alors c'est quelqu'un qui dit « Il n'y a personne !»
Le quartier général du service de prévention zombie est situé sous le chapiteau au centre de la ville. Nous voulons nous débarrasser des zombies, mais je pense qu'ils peuvent faire de même avec nous. Là, je me souvenais plus qu'il y avait des zombies. Cette ville semble si sombre, pas vrai? Les gens vivent principalement dans le centre-ville. Je me demande comment nous pourrions reprendre la ville aux zombies. À ce qu'il paraît, il y aurait un passage souterrain aux abords du cimetière. Si vous y parvenez, vous rencontrerez la créature la plus dégoûtante, schlingante, laide et puissante qui soit. Ah, j'ai souillé mon slip rien qu'en y pensant. C'est élégant. Ces zombies font si peur que je passe mon temps à les fuir. Je peux même pas rentrer chez moi. Chut, parlez pas si fort, qu'est-ce que vous voulez? Ah, d'accord. Ouais. Faites attention aux mauvais types. Alors, est-ce qu'il y aurait pas... Donc ça c'est une pizzeria... Bazar... Ouais, pas un hôtel, parce que... Si, il est plus haut. Alors... Inspecter... Vous voyez ce qu'on a ici, il n'y a que de vieilles ordures à l'intérieur. Ah. Les zombies et les fantômes sont en liberté ici. Bienvenue à Freak. Oh, puis on sauvegardera tout à l'heure. Comment vaincre ces zombies? Oh, j'en sais rien. Les zombies avancent lentement vers la tente. Je répète, les zombies sont en mouvement. Oui, c'est logique. Pourquoi ne pas mettre tous les zombies dans cette tente et brûler le tout? On va finir par se faire mordre avant de faire quoi que ce soit. Je suis content que vous apportiez votre aide, mais vous êtes très jeune. Ah. Moi, je pensais tomber sur un comité de défense, genre armé, etc. C'est une association de quartier en fait, leur truc. Alors... Bonjour, salut. D'accord. Les zombies et les fantômes sont encore là, alors je peux pas aller à Tucson au Farside. Le chemin caché du cimetière est peut-être sûr. J'ai entendu les zombies murmurer « Maître Glavio nous a... Oh, Maître Glavio... nous a arraché à la mort. Maître Glavio, le chef des zombies, il doit être vraiment répugnant. » Ah bah... Oui. Maître Glavio... Non mais ce nom... Les noms quand même dans ce jeu, c'est quelque chose. C'est pas tes oignons sur une petite maison. Gardez vos messes basses pour quelqu'un d'autre. J'ai pas dit ça. Hop. Alors... Ouh, un sandwich dans la poubelle. J'ai vu un bus se diriger vers Farside. Le groupe de musique à son bord était vraiment très très bruyant. Du coup, les fantômes n'osaient pas s'en approcher. Ça doit être chouette d'être aussi insouciant. Tu m'étonnes. Alors par contre, pourquoi on nous a déposé là, j'en sais rien. Je suppose qu'il y a quelque chose à faire. C'est vrai, il y a une rumeur qu'un monstre du nom de Glavio est en train de ruiner cette ville. Glavio, c'est vulgaire et plutôt tordu comme nom, même pour un monstre. On est d'accord. On est bien d'accord, ma chère petite dame. Alors, bah y'a rien. On peut même pas utiliser le lit d'une maison vide, c'est nul. C'est quoi ça? Woot? C'est quoi ce truc? Ah d'accord, c'est des marionnettes. Génial. J'ai pas du tout peur. Enfin ça va parce que voilà, non mais... Putain. La tomionnette. Oui. Non mais. Pourquoi pas? Merde. Ouais, non, mais voilà. Alors, combien il donne de points d'expérience, cela? 616 chacun.
Ah, c'est pas mal. Je ne parlais pas français. Ah, ok. sorry. it's a French live. because it's not a game very known in France. And I think it's a good game and I want to show it. So. Voilà, voilà. Désolé, je pense que tu devrais partir maintenant. Je n'ai aucune preuve que tu ne sois pas un zombie qui recherche son 4 heures. Mais qui parles-tu, Baël ? Bien, ce n'est pas la grande joie. Oh les cœurs, vous risquez d'être changé en zombie. Certains sont déjà avec eux. Quelle gentillesse, passer du temps à parler à une simple petite souris. Je vous aime. Aïe, un zombie ! Bah non. Je regarde un film de zombies, tu peux revenir plus tard. C'est nul. Je suis un pauvre avorton, du coup je ne peux pas ouvrir la porte. Tu sais, c'est flippant. Ah là là. Inspecter. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Tout va bien, passez une bonne nuit. Pourquoi pas. Alors ces machins là par contre, moi je... Pas les marionnettes. Es-tu un zombie? Ma maman m'a dit de pas ouvrir la porte parce que les zombies arrivent. J'ai vu une personne suspecte parler avec les zombies tout à l'heure. Je pense que ça c'est le bus vers Tucson et ça le bus vers Forside. Mais on pourra pas y aller tant qu'il y aura les fantômes de toute façon. Donc allons à l'hôtel déjà. Ah, ok. I don't know what to I don't know what to say to that. Good for you. I think. Sorry, I'm not very good. je sais pas combien ça va me coûter, mais je pense que ça va être. On va prendre 100 balles plutôt, ça sera plus simple. Bienvenue à l'hôtel Sunset de Freak. La nuit vous coûtera 120. Ah, j'ai pas assez. Hop. Je vais d'abord sauvegarder. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Je me souviens qu'il y a un truc ici, mais je sais plus exactement ce que c'est. Bon, voilà. Alors... Oui, je veux dormir. Non, non, tout s'est bien passé. Je sais pas pourquoi je me souviens de ça, bizarrement. Monsieur, vous sortez ? Les journaux gratuits du matin sont arrivés. Ils sont différents des habituels. Il y en a un du nom de Zombissoir. Je m'en fais peur, mais je vais vous faire la lecture. Détruisez les humains ! La vie nous appartient ! Gloire à nous et à notre maître ! Soyez prudent quand vous sortez, tout particulièrement près du cimetière. Bien. Nous serons prudents. Oula, pourquoi on marche à deux à l'heure ? Altération d'état ou quoi ? Non, la santé normale, j'ai l'impression. Est-ce que c'est parce que, comme nous sommes un freak, nous sommes obligés de marcher comme des freaks? C'est nul. D'accord. Je sais pas où aller. Je voudrais bien voir s'il n'y a pas...
comme dans les autres villes en fait, une petite maison avec avec de l'aide, mais j'ai pas l'impression. Il y a le cimetière, mais il faudrait que je trouve la petite maison des trucs. Ah, c'est peut-être ça. Hop, regarde ce qu'on a ici, un ours intérieur. Ah, c'est bien ça. Inspecter, boutique de trucs et astuces. Parfait. Ah, par contre, ça va peut-être me coûter 120 aussi. Et un instant, je peux te donner une astuce pour pas cher, disons 60. Ah, je sais pas. Non, mais j'ai... J'ai pas assez d'argent. Je veux bien te payer. Mais j'ai pas d'argent. Donc on va aller à... au DAB. Marionnette. Hypnose, d'accord. Ok. De toute façon, la moitié du temps, ma tactique consiste à bourriner le bouton. B, E, A. A, B, je sais plus. Je connais très mal la manette de Super NES. Oui, c'était pour récupérer du pognon. Hop, donc inspecter. Il me faut 60 donc. Voilà. Même si je perds, je peux me permettre de perdre la moitié de 137. Hop. Bref. Ouais. Il y a un tunnel au nord-ouest de cette ville. Deux gardes zombies traînent à l'entrée. Ce ne sont pas des mauvais bougres, les rencontrer serait une bonne idée. Tu n'es pas obligé de le faire. Je pense que tu devrais aller voir. Nord-ouest, d'accord. Ouest, c'est par là. Hein. Ok. Ah merde, je me fais attaquer par des poubelles. Un fantôme puant et son acolyte. Ah, ouais. C'est charmant. Parce que je suppose que je peux pas aller. Moisissure putréfiée, génial. Frapper. Aïe 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 aïe. Ah, ils font mal là. Genre vraiment. Tant pis parce que. Hop. Vraiment pas être épileptique, hein. Hey, niveau 18, l'attaque monte de 1, la vitesse monte de 1. Maximum de points de vie augmente de 2, maximum de points de psy augmente de 2, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Ok, je sens qu'on va galérer. Les amis. Oui, remarque, je peux me permettre de le dire dans la mesure où la moitié des gens qui vont regarder sont mes amis. Ou mon petit frère. Alors oui, 120. Par contre, ça va me coûter cher toute cette histoire. Non, je suis en train de réfléchir. Je me dis, est-ce que si je me soigne juste, ça peut le faire. On va essayer de faire ça comme ça.
Ah, nord-ouest, merde, je cherchais au nord-est. C'est nord-ouest. Nord-ouest. Nord-ouest, c'est là, voilà. Putain, j'ai cherché au nord-est, moi aussi, comme un abruti, forcément. Ça marche moins bien. Il scrute votre âme. Il vous observe. D'accord. Et je suis censé faire quoi du coup? Je suis censé faire quoi? Hop. Ah non, c'est ici à l'intérieur. Ah, ça peut être bien. C'est marrant, je m'en doutais un peu. Ah merde. Alors, non, on n'existe même pas cette fois-ci. Dise la question. Putain, je sais pas où je dois aller. Il semble pas que le mec est super sexy. La nana devant l'hôtel. D'accord. Ouais, on va sauvegarder. Et je crois qu'il y a un souci avec la musique. Okay. Suivons cette femme chelou. Oh merde. Perdez connaissance. Quel sera le destin de Ness et ses amis? La réponse au prochain épisode. Ou tout de suite. La porte est fermée à clé. J'en appelle à notre ami, que nous n'avons jamais rencontré. Jeff, Jeff, nous avons besoin de ton aide. Moi, c'est Paula et je suis avec un autre ami, Ness. Nous voulons te contacter. Sakai, un petit pays du Nord. Putain, Sakai. Les jeux de mots sont... Internat du bois enneigé. Bon, pour moi, il n'y a pas de jeu de mots. Hop, là, c'est le truc. Nous essayons de te joindre. Entends mon appel.
toi seul, Jeff, peux nous sauver. Si tu m'entends, lève-toi et va vers le sud. Jeff, tu ne connais pas encore, mais tu es notre seul espoir. Bien, eh bien, moi, je vais faire une petite pause ici. Et ben je vous dis à tout à l'heure, alors je vais vous mettre un peu de musique, hein, on va essayer en tout cas. C'est moi ou il n'y a plus de musique du tout? Ah non, il n'y a plus de musique. Ben c'est comme ça, hein, faut croire. Hop. Jeff, quand tu allais comme ça en plein milieu de la nuit, tu connais pourtant les règles du dortoir, non? Si jamais on t'attrape, c'est la fessée assurée. Que se passe-t-il, Jeff? Tu dois avoir une bonne raison pour ne rien dire. Je n'essaierai pas de t'arrêter, mais c'est pas prudent de partir sans être préparé. Il devrait y avoir quelques trucs intéressants dans les casiers, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil? Je vais t'aider à sortir d'ici. Tony se joint à vous. Alors, je vais donc arrêter ici. On va juste remettre un petit peu de musique. Qui, je pense, en plus va coller avec l'ambiance. Si ça se lance un jour. Hop, pardon. Hop, on va y arriver. Hop là. Touc. Oula. On va enlever le chat et la webcam. Et si un jour ça se met, voilà, je vous laisse avec un peu de musique. Et je vous dis à tout à l'heure.
Et nous sommes repartis. Hop. Donc avec Jeff et Tony dans cette nouvelle partie du jeu. Ok. Donc y a rien à inspecter. J'en suis dit qu'une créature du nom de Tessie habitait les eaux du lac situé au sud. C'est tout bonnement impossible, je suis persuadé qu'il s'agit d'une sculpture placée là par quelques plaisantins. J'ai entendu mieux comme rumeur que celle sur Tessie, il paraît qu'il y a des géants aux alentours de Stonehenge. Nombreux sont les témoignages de gens attestant les avoir vus. J'ai sommeil, je vais me laver le visage, me brosser les dents, faire mes affaires et filer au lit. Il paraît que le centre de Stonehenge cache une entrée menant vers un lieu inconnu. Je me demande si cette rumeur est vraie. Un jour, nous irons la vérifier. Mais pourquoi pas? Wow. Je suis épuisé. Demain, c'est la fête d'anniversaire de Tony. J'ai empalé tous les cookies à la main. J'ai mis tout mon cœur pour que tout soit prêt à temps. Si tu vas dehors, salue Maxwell avant de partir. Il y a toujours les jeunes étudiants. Maxwell passe son temps dans le laboratoire en bas. Fais attention, cependant, beaucoup d'animaux dangereux rôdent dans les environs. Je pourrais en déballer tous les cadeaux et qu'il y aura des cookies dedans, mais on va pas le faire. Hop. Oh, Jeff et Tony, vous m'avez surpris. Vous avez une petite faim? J'ai quelques soucis avec mon projet. Si seulement le père de Jeff, le docteur Hunt Donuts, était là, ce serait une aide précieuse. Il paraît que c'est quelqu'un d'étonnant. Ce fut le premier chef de notre club Ultra Science. On dit même qu'il est meilleur qu'Einstein ou Heisenberg. Cependant, il paraît qu'il est également très étrange. Si vous allez vers le vestiaire, prenez cette clé avec vous. Attention, elle est un peu tordue. Jeff obtient la clé du casier. Si vous voulez arrêter, appelez-moi. Appelez-moi et j'enregistrerai votre aventure. C'est un peu la même chose que sauvegarder une partie. Oui, c'est sauvegarder, quoi. Les... Non. Inspecter, c'est fermé à clé. Alors, attends. Terre. Utiliser. Clé tordue ne rentre même pas dans le trou de la serrure. Terre. La clé est tordue, rentre pas dans le trou de la serrure. Inventaire. La clé est tordue, ne rentre pas dans le trou de la serrure. Bah putain, ça va être vite relou. Hein. Inventaire. Tac tac. Clé tordue. Ok. Je vais voir si. Y'a pas un casier où ça marcherait. Ok. Alors. Utiliser. Non. Et encore un. La clé tordue ne rentre même pas dans le trou de serrure. Non, il n'y avait rien du tout. Ok. Statue. Ok, donc on commence avec un Jeff niveau 1 qui a une clé tordue. Hop, inventaire. Œuf à la coque aide, œuf à la coque, si vous en mangez, vous en serez 40 points de vie, c'est pas mal. Dieu le mette, je peux même l'utiliser pendant un combat, cet objet peut être réutilisé, d'accord. Bouteille V2 aide, cet objet peut être utilisé, on peut une puissante et rapide bouteille en guise de roquette. Disparaît après une seule utilisation. Un peu de casier ordinaire. La clé n'a pas fonctionné, c'est ça? C'est peut-être probable. Je viens toujours vite d'inventer la machine qui vous les porte même quand tu n'as pas la bonne clé. Désolé pour le désagrément. Jeff obtient le passe mécanique. Si tu es bien le fils de Dr. Hunt Donuts, tu dois être capable de réparer des objets et les rendre réutilisables. Et c'est juste de garder une attitude positive. Ok, donc il nous a remplacé la clé par le passe mécanique. Alors, inventaire, passe mécanique utilisé. Il n'y a rien dans ce casier. Il n'y a rien dans ce casier non plus. C'est laborieux quand même. Hein. Merde! Un Deerstalker. Ah, bien.
Un fusil à bouchon. Alors le Deerstalker, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est l'espèce de chapeau avec les rabats sur les côtés, qui peuvent s'attacher en haut, avec les visières de deux côtés. C'est le truc que porte Sherlock Holmes dans la plupart des représentations qui sont faites de lui. Il a le Deerstalker. Et un Magnum HS. Inventaire. Magnum HS aide. Un pistolet à air comprimé hors service. Le génial Jeff devait pouvoir être capable de réapparaître un jour. Jeff utilise le Magnum HS. D'accord, non, ça ne marche pas. Le génial Jeff. Et c'est moi le génial Jeff. Le génial Jeff. Génial Jeff. C'est compliqué à dire. Rapidement, en tout cas. Ok, d'accord. Ça ne marche pas. On ne peut pas le réparer pour l'instant. Bon, ben, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Par contre, on va s'équiper. Donc, on va prendre le fusil bouchon. Et le Deerstalker. Et donc, maintenant. Là, attaque 18, défense 12. Deerstalker nous donne 10 de défense. Ce qui n'est pas si mal que ça. D'accord, donc Tony nous fait la courte échelle pour qu'on puisse passer de l'autre côté. Bon, normalement, j'ai fait le tour. Bien, sers-toi de moi pour grimper sur le portail. Bon, il est temps de se dire au revoir. Je ne sais ni où tu vas, ni ce que tu vas y faire, mais souviens-toi que nous sommes les meilleurs amis pour la vie. Ok, donc Tony est parti du groupe. Alors... Qui ? Ouais ! Ok, d'accord. Il y a un singe à l'entrée, prenez-le, il est vraiment bouillant. Si vous essayez sur une gomme, le singe est offert. Sinon, il vous coûtera $1. Alors, vous prenez ? Non. Devrions vraiment l'acheter, vous voyez ce que je veux dire ? Ici, le chewing-gum est incroyable, vous devriez voir la taille des bouts que je peux faire. Alors... bah, de toute façon, il n'y a pas de chewing-gum. Oui, mais bon. $2500, j'ai pas assez. Bon, bah, du coup, je vais l'acheter. Hein. On va acheter le singe. Vu qu'il n'y a pas les chewing-gum, je vais le prendre. Ok. Jeff obtient les chewing-gum. Donne-moi un chewing-gum. Tiens, un morceau de chewing-gum de Jeff et fais une bulle. Le singe Bubule se joint à vous. Bah, allez, viens avec moi, Bubule. Oh, ça va être relou. Victoire! Trop d'expérience, l'ennemi n'a 5 paquets, il y a un cookie! Wouh! Un cookie! Par où il faut aller? Viens Bubule. Viens Bubule, viens Bubule. Merci. Hop. Hop là. Bon, je sais pas s'il va servir à grand chose Bubule par contre. Pour l'instant il a pas l'air très utile. Niveau 2, maximum de points de vie augmente de 1. Et c'est tout. Triste.
Tant pis, tant pis, tant pis. Je le sens très très mal. La chèvre bourrue. 4 points, ah oui. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Eh oui, évidemment. Eh merde. Jeff, on dirait que vous revenez enfin à vous. Voulez-vous réessayer? Oui. HS en aérosol leur service. Alors, l'avantage du corbeau. Ah, c'était rapide, j'ai envie de dire. Jeff gagne 3 d'expérience, l'ennemi laisse un paquet et encore un cookie. Ouh. Les animaux dociles sont devenus sauvages, c'est inquiétant. Repose-toi un peu ici, veux-tu boire quelque chose, un thé peut-être? Oui. Tu te sens mieux à présent? Bonne chance. D'accord, la tente me permet de restaurer les points de vie, c'est cool. On va se faire un peu de points d'XP ici, hein. Tant qu'on ne peut encore, en espérant ne pas retomber sur une chèvre bourrue. Oh merde. Ah bah quand même. Victoire, 3 points d'expérience. Et niveau 3, l'attaque monte de 1, la défense monte de 1, le courage monte de 1, le QI monte de 1, et si le point de vie augmente de 2. Non, y'a rien par là. Hop. Le chien errant. Ça y est, c'est bon, c'est fait ça. 4 d'expérience. Il y a un petit pain. Cool. Ah, c'est pas par là. Ça a l'air d'être plutôt par là, du coup, je suppose. Pleine. Ah bah si, c'était par là. Alors, voyons, voyons. D'accord, c'est juste une tente comme ça. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ok. Il paraît que le vent souffle toujours quand Tessie apparaît. Tchoum! Tchoum, je suis en train d'avoir très froid. Si je trouve Tessie, penses-tu que je serai dans le journal? Comme le dirait Andy. Désolé. Andy Warhol, je suis à la recherche de mes 15 minutes de gloire. Il y a quand même beaucoup de références dans le jeu. Parlez à bonjour, ici le laboratoire m'appelle. Oh, bonjour Jeff. Je mets à jour le journal de tes aventures? Oui. Sauvegarde est faite. Tu fais une pause, je continue. Tu es vraiment acharné, je vais devoir raccrocher. Donne-toi à fond, mon garçon. Hop. Regardons juste. Alors, je regarde juste ce que c'est. Ah. On va voir ça. Hop, veux-tu un chewing-gum? Pour que ça, je n'aime pas ça.
Vous avez raison, nous venons ici au lac Tess pour voir Tessie. Nous sommes le club des amis de Tessie. Ok, il n'y a toujours rien dans cette tente. Ça y est, toi aussi tu es touché par la Tessimania. Tu es en veine. Nous pourrons peut-être voir Tessie demain. Mais tard. Ah. Seconde. D'accord. Désolé, c'est parce que j'ai Ah, je regarderai ça plus tard. Tant pis. Il y a un petit live de monsieur Thomas Hercouette. Monsieur que j'aime beaucoup. Et voilà. Et c'est la nuit originale la semaine prochaine. Et c'est cool. Je suis cuisinier des clubs des amis de TC. Que diriez-vous d'un ragoût? Oui. Non, inutile de me payer. Cool. Tu es un ami que je n'ai jamais rencontré auparavant. Jess, il y a chaud vers le sud. Je suis Paula. Si tu entends ce message, va au sud. Jeff a travaillé toute la nuit pour réparer le spray HS. Une fois réparé, le spray HS devient une bombe au poivre. Cool. Du coup, je suis cuisinier du club des amis. Et... Hop là. Je veux voir s'il repère le Magnum HS. Non. Il ne l'a pas réparé. Il ne l'a pas réparé. Oh, c'est un coin enneigé. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui. Photographie automatique. Je suis un génie de la photographie. Et encore, je suis modeste. Regardez l'appareil, c'est bon? Dites cornichon crépu. Waouh, elle est superbe. Elle te rappellera cette histoire jamais. Adieu. Je veux parler à lui. Tessie peut inopinément vivre dans les bois, j'en suis persuadé. Moi je pense que je vais quand même remonter un peu. Je vais quand même monter un peu mes niveaux. Genre avec ce corbeau là. Là. Hop. Victoire pour le peuple. Hop. C'est bien les chiens errants parce qu'ils font moins, je trouve qu'ils font moins de dommages que les corbeaux. Surtout ils sont moins chiens parce qu'ils volent pas les trucs, mais ils donnent plus de points d'XP surtout. C'est ça qui est bien. Même si là on en est qu'au début quand même. Et on va voir si j'arrive à me le faire maintenant. Vas-y wesh, viens, viens, viens. Hop, le chef bruit vous déchire. Hop. Oh non, là il vous piétine, 3 points de dégâts. Oh si, je suis sûr qu'on va l'avoir. Allez. Allez. Ouais, je le savais. Je suis le plus fort, wesh. Jeff, 20 points d'expérience, Jeff atteint le niveau 4. Excellent, l'attaque monte de 3, la défense monte de 1, la vitesse monte de 2, le kill monte de 1, la chance monte de 2, maximum de points de vie augmente de 3. Hop. Et voilà. Allez, on va taper une autre chèvre bourrue. Hop là. Aïe aïe aïe. Et si elle pouvait rater son coup, ça serait bien. Allez. Non, arrête d'esquiver. Oui. 20 points d'expérience. Et prochain niveau dans 20 points d'expérience. Ah, tout va bien.
Hop. Hop là, voilà. Ça va nous permettre, voilà, de regagner les points de vie. On va voir si on trouve pas encore d'autres chefs bourrus dans le coin, ce qui permettrait de passer au niveau 5. Déjà, on va taper un peu de ennemis. Et puis, normalement, bon, le jeu devrait pas trop mal faire non plus. Je fais confiance au jeu pour doser sa difficulté. Jack gagne 4 points d'expérience, il laisse un paquet, il y a un petit point dans l'ennemi. Dans le paquet qui est léché l'ennemi. J'ouvre l'ennemi en deux. Oh, un petit pain à l'intérieur. Ouais, non, ça serait ridicule. Pas plus ridicule que certaines logiques de jeux vidéo, mais ridicule quand même. Eh ben, y'a plus personne. Bah, même là où il y avait un ennemi, y en a plus. Yay! Bah voilà! Ramène ta fraise! Allez! On y va! Il nous manque juste ce combat-là. Il faut juste gagner celui-là. On espère qu'il va pas trop. Voilà. Fais juste cette attaque-là, s'il te plaît. Fais pas l'autre. L'autre a fait mal. Oui, celle-là c'est bien, voilà, juste celle-là. Jamais l'autre. Ouais! Sachet de sel. Mais Jeff ne peut plus rien porter. Non. Oui, je vais jeter le sachet de sel. Et niveau 5. Courage monte de 1. Vitalité monte de 1. Puis monte de 1. Maximum de points de vie monte de 9. Inventaire. On va manger un petit pain. Et voilà. Et ça tombe bien que j'ai fait ça parce que on va taper une autre chèvre bourrue du coup. Hop. Allez, allez. Non. Oui, ça c'est bien. Juste ça. Et voilà. Pour aller au niveau 6, il faut 57 or. Et on va tenter juste avec le niveau 5, hein, voir. Donc juste avec le niveau 5, voir si ça suffit. De toute façon, je vois pas trop ce qu'il faut aller. Où il faut aller. Je pense qu'il faut aller donc juste là où il y a le... Hop. Génial. Hop. Donc oui, non, je pense qu'il faut aller à côté du lac. Il y avait un petit endroit avec la terre dénudée. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Hop. Allez. Aïe aïe aïe. Là. 20 d'expérience. Je dois être à 20 et des patates du coup. Ah oui, merde, c'est par là. Qu'est-ce que ça fait vu que j'ai pas de pépé? De points de pouvoir. Pourrait être dire pépé. Garder. On va aller dans notre tente, restaurer ses points de vie, ensuite on va sauvegarder et ensuite on va aller dans le petit point de terre pour voir ce que ça fait. Hop là. Oui. Hop. Allez, hop.
Hop, laboratoire Maxwell. Oui, je veux sauvegarder. Je suis vraiment un acharné. Et j'y vais. Il est moins verbeux que le papa de Ness, quand même. Je pense qu'en allant là... Donne-moi un chewing-gum. Je m'occupe de tout. Et hop. D'accord. Allons-y gaiement. Bien, merci Tessie, le gentil monstre qui nous a aidé à traverser le lac. Je suppose qu'on est reparti. Bah oui, hein. Parce que pourquoi pas. Regardez au cas où il y aurait un cadeau ou quelque chose comme ça, enfin un paquet. Ah bah encore une chèvre bourrue. Hein, comme ça je suis pas dépaysé. Alors... Hop là, allez, on attaque. Ça va le faire, ça va le faire. 20 d'expérience, c'est bien. Ah, comme j'ai pas les faces crayon, je peux pas y aller. En fait, ce donjon est gratuit, entre. Bah écoute, pourquoi pas demander si gentiment. Enfin, dis si gentiment. Bienvenue dans mon humble donjon. Dédale. Alors. Une souris énervée. Ah mince, c'est vrai qu'elles font mal les souris énervées. Aïe aïe aïe. Et voilà! Ça m'aura coûté quand même, hein. Niveau 6, puis il monte de 1, donc on a du point de vie au point de 2, et c'est tout. Hop! Il y a un petit pain à l'intérieur, mais déjà trop d'affaires. Alors, de toute façon, sachant que. Hop! Il va falloir que je me soigne, on va utiliser le petit pain. Et on va inspecter. Et on reprend le petit pain. Ouh, un cadeau. Bon bah, on va aller vers là, hein. De toute façon. Un coin-coin zinzin. Pourquoi pas. Aïe oui. Pouvoir, mais de toute façon je n'ai pas ça, c'est plus simple. Hop, il y a un insecticide d'intérieur, mais il y a déjà trop d'affaires. De toute façon, on est un, et je sais pas à quoi ça sert d'ailleurs. On va regarder tout de suite. Ah non, c'est une bombe au poivre, c'est Ness qui est l'insecticide. D'accord. On va utiliser un petit sur Jess. On va prendre l'insecticide, même si je sais pas trop à quoi il sert. L'inventaire. Donc, insecticide.
Il sert à 100 points de dégâts sur n'importe quel insecte pendant un tour. Ah, ça peut être bien. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'insecte. Mais... enfin, on n'en combat pas, en tout cas. On se fait attaquer par un cadeau. Un protoplasme banal. D'accord. Et ben voilà, ça c'est fait. Ce fut simple. Qu'est-ce que ça contient du coup? Une ferraille à l'intérieur, mais il y a déjà trop d'affaires. Écoute, on va manger un cookie. Et on va prendre la ferraille, même si je ne sais pas à quoi ça sert pour l'instant, je pense que ça va servir plus tard pour réparer des choses. Là, on va devoir taper le coin coin zinzin. Coin coin zinzin, sérieusement. Attention aux trucs qui tombent, des dalles. Photographie automatique, je suis un génie de la photographie, et encore je suis modeste. Regardez l'appareil, c'est bon? Dites cornichon crépu! Waouh, elle est superbe, elle te rappellera cet instant à jamais. Adieu! Voilà. Alors. Ouais, si, continue d'attaquer mes pépés, c'est bien ça. Ah non, ça c'est moins bien ça. Allez. Et voilà, ça c'est fait. Croissant, cool. Allez, on va taper le protoplasme banal. Allez, allez, allez. C'est toujours un peu long, je trouve, quand même. Hein. C'est toujours le défaut de du RPG. Merde. Ça reproduit, ce coup. La mitose cellulaire en direct. Mais ouais, non, je... J'ai... Oui, oui, l'inconvénient toujours de ces vieux jeux, c'est que... Ah, niveau 7. L'attaque monte de 2, le cube monte de 1, le maximum de points de vie augmente de 1, c'est tout, bon, c'est pas grave. Bon, je vais finir ma phrase un jour, donc le problème de ces vieux jeux, c'est toujours que... il est assez difficile d'essayer de faire d'un seul trait, en fait, il va falloir faire des allers-retours incessants, parce que les ennemis sont... Parce qu'il faut taper plein d'ennemis pour se faire de l'XP, en plus... le système de combo tour par tour est bien, hein, c'est pas un souci, mais c'est vraiment quelque chose de très très figé comme système. Et bon, oui, je veux bien que tu me fasses une sauvegarde. Ah non, 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 ah merde, ah merde, ah merde, bon, ah merde. Bon bah tant pis, hein. Eh ben on va relancer le jeu. Puisque c'est comme ça. Ah le con. Bah je suis désolé, parce qu'en plus il va falloir que j'y accepte, parce que j'y suis plus tout de suite, là, tout de suite, là je suis plus dessus. Merde. Alors, là, tac. Hop. Non. Hop là.
Ah, bah si, c'est bon. Ok. Alors, par contre, ma touche start marche assez mal. Parfait. Ouais, c'est bon. J'ai eu peur quand j'ai vu Ness en fait. Inspecter, sortie, au plaisir de vous revoir, Dédale. D'accord. Wow, c'est quoi ce truc? C'était peut-être trop simple. Je m'appelle Dédale, je développe des donjons. J'y consacre ma vie. C'est une moustache, ça? Oui, je sais que c'est pas moi qui devrais parler de moustache, mais... Vache. Les bouteilles vêteuses sont très utiles, gardées pour plus tard. Merci du conseil. Effectivement, de toute façon, je comptais pas les utiliser tout de suite. Grâce à l'intelligence, grâce aux compétences de l'intelligence du Dr. Andonat, je peux devenir l'homme donjon, la première association de l'homme et du donjon de l'histoire. Nous reverrons lorsque je serai devenu un homme donjon. Tu te reposes un peu. Oui, c'est pas de repos, c'est pas de refus. Hop, je crois pas en plus les avoir utilisés. Fais attention à toi, n'hésite pas à repasser. Je crois pas avoir utilisé les bouteilles V2. Non, j'avais gardé. Par contre, est-ce que ça serait une bonne idée d'aller chercher ce qu'il y a dans le labyrinthe à ce niveau-là? J'aurais dû y aller quand il y avait encore la souris, ça m'aurait fait des points d'expérience, mais c'est parce que j'ai pas réfléchi. Je suis un peu bête. Il y a un taser à l'intérieur. Je pense que si je fais ça et que je mange un petit pain, ça serait mieux, même si j'ai tous mes points de vie. Oui, forcément. Parce que je me demande si le taser serait pas une meilleure arme. Équipement, arme. Ah, si, carrément même. J'ai bien fait de regarder quand même dans le dernier paquet. Même si j'aurais dû y aller avant. Mais ça, c'est complètement ma faute. Allez, on va essayer de continuer. pas trop longtemps d'ailleurs, parce qu'il faut que. Enfin, je vais devoir arrêter vers 20h. Mais c'est pas grave. J'aurais joué un petit peu aujourd'hui. Mais bon, hop. L'insecticide. Est-ce que j'utilise maintenant ou pas? Bon, sachant que les limaces, bon voilà, on va utiliser sur les souris. On va attaquer les souris d'abord. Bon, voilà, ça c'est fait. Et ça c'est fait. Ça va, c'est pas trop compliqué encore. Touk touk touk. Allons-y gaiement. Et j'ai laissé le live allumé de Darkwood sur le côté. Très très envie de le regarder. Mais bon, on a dit 20h, c'est 20h. Puis en plus après je vais pas avoir le temps de le regarder non plus. Bon, c'est pas grave. La nuit originale c'est pas cette semaine de toute façon, c'est la semaine prochaine. Je me console avec ça. Ah mince, quelle abruti, j'aurais dû taper d'abord sur la souris. Il fait bien plus de dégâts, voilà. Mauvais calcul de ma part. Hop. J'en suis à combien, tiens, du niveau 7, 8, 8 14 inventaire, j'arrive. Si je vais utiliser le petit pain maintenant, hop, hop, t'as qu'une souris énervée, et c'est fini. Quand t'es toute seule en même temps. Et voilà, niveau 8. Attaque monte de 1, excellent, la défense monte de 3, la vitesse monte de 3, le courage monte de 2, la vitalité monte de 1, le QI monte de 1, la chance monte de 1, maximum de points de vie augmente de 12. Ah bah c'est ça qui fait plaisir. Et il y a hamburger. Ah bah cool. En fait, c'était pas très grave d'avoir bouffé le petit pain tout de suite. J'allais dire, est-ce que j'aurais pu y arriver sans prendre le singe, mais non, parce que je viens de réaliser que le singe il est utile quoi qu'il arrive pour merde, comment dire,
pour Tessie. On est obligé de prendre le singe pour passer le lac. Parce que c'est lui qui appelle Tessie. Donc quoi qu'il arrive, j'aurais dû le prendre. C'est juste que je l'ai pris plus tôt que prévu. Je vais pas faire un aller-retour. Mais voilà, ce qui est fait, tant mieux. Par contre, c'est vrai que c'est dommage qu'il fasse pas plus de dégâts que ça. Je dis ça alors qu'il fait. Mais en même temps, sur les limaces, c'est des chips. Elles donnent de l'expérience, mais c'est des chips. Enfin, elles donnent de l'expérience. Elles donnent de l'expérience à ce niveau-là, mais après, c'est plus très intéressant. Non, non, pas les champignons, non. Je suis pas sûr de pouvoir les taper. Inspecter. Bouteille V1 à l'intérieur, mais il y a déjà trop d'affaires. Ah. Qu'est-ce que je pourrais jeter? Aide, règle, vous pouvez même utiliser pendant un combat, cet objet peut être réutilisé. Je sais pas, la règle. J'ai l'impression que ça sert à rien. Enfin, j'en avais déjà pris une tout à l'heure avec Ness. J'ai l'impression que c'était vraiment tout pourri. Je vais jeter la règle. Comme ça, je vais prendre la bouteille V1. Non, mais non. Ah, on va y arriver. Inspecter. Il y a une bouteille V1 et je la prends. Merde. Oh merde, merde, merde. Un, voilà. Parce que deux à la fois, je me sens pas. Je le sens pas, je le sens pas. Je sais plus combien de... Quoi? Non. Oui. Ah d'accord. Bon bah si, en fait. Si, c'est faisable. Voyons, voyons. Est-ce que... Oh si, allez hop. Ça fait de l'expérience, c'est toujours bien. Hop. Et... On continue là-dessus. D'accord. Je pensais qu'ils avaient beaucoup plus de points de vie que ça, ces ennemis-là. Mais je me plante. Pourtant j'ai bien l'impression que c'est les mêmes que tout à l'heure, puisqu'ils donnent 95 d'expérience, comme l'autre. Non. Oui, on jette le cookie. Et niveau 9, attaque monte de 1, le ki monte de 1, mais qui monte de vie augmente de 1. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Alors, deux secondes. Je regarde juste. Ah, il y a un boss là-bas. Est-ce qu'on va devoir se le coltiner ou est-ce qu'il va attendre? Je suppose que oui, il va falloir se le coltiner. Hop. Allez. Ça, c'est fait. Et. Non, je veux toujours pas le cookie. Oui, je jette le cookie. Et le deuxième ennemi. J'ai du bol, j'ai cru que ça allait être dans l'autre sens. Et attaque surprise. Hop, ça y est, elle est morte. Et pour passer au niveau 10, il me faut combien? Il me faut 90 d'expérience encore, c'est-à-dire encore un champignon. Il y a quoi là-dedans? Un bracelet simple. Ah merde. Il faudrait encore que je me débarrasse de quelque chose d'autre. Ferraille. Il y a un genre de bidule métallique. Le génial gel devrait être capable de me réparer un jour. La ferraille, je crois qu'on peut en acheter à tout seul. Je sais pas si on peut, je sais pas quand on va y repasser, mais je pense qu'on y repassera. Peut-être. Ah, je sais pas. La bombe au poivre, je sais pas ce qu'on a comme ennemi, donc je vais garder la bombe au poivre au cas où. Le dieu de maître, j'ai pas envie de le jeter. Parce que je sais pas ce que c'est, mais le nom me donne pas envie de le jeter. Le Magnum HS, je me dis que je vais peut-être pouvoir le réparer. Donc je vais pas le jeter non plus. Et les chewing-gums. Son préféré du singe bubule. D'accord, donc bah non, je peux pas les jeter non plus. La bombe au poivre, c'est quoi déjà la bombe au poivre? Augmente la défense de l'un de vos alliés.
Bah, on va acheter la bombe au poivre. Hein. Parce que, hop, si ça peut améliorer un peu ma défense, ça sera pas trop mal. Surtout si on veut se taper un boss. Utiliser. Non, pas utiliser. Équipement. J'ai du mal, hein. Bracelet. Et c'est bon. Hop là, voilà, ça c'est fait. J'ai pas l'impression qu'on puisse passer par là. C'est pas par là qu'il fallait aller? Apparemment non. Ah merde. Ah si, on peut peut-être demander au singe. Tout bêtement. Et là, niveau 10. Hop. Cookie. Non, je veux rien jeter. Oui. Hop, l'attaque monte de 1, le QI monte de 1, donc le point de vie augmente de 3. Et Oh le con. Je me suis retourné. Ah mais une crameuse, effectivement, c'est surprise. Ah, puis en plus 8 points de dégâts. Ok. Ok. Je pense qu'il faut que j'utilise le chewing-gum du coup. Utiliser. Hop. J'ai pas pensé en passant devant tout à l'heure, mais effectivement, ça doit être par là. Ok. Ah merde. Deux d'un coup. De dégâts avec le bracelet, je me demande combien il faisait avant, j'ai pas noté, j'aurais peut-être dû. J'aime bien les musiques de jeu quand même, mais il faut bien admettre qu'au bout d'un moment elle est 50 dans le crâne, ce qui est pas une mauvaise chose en soi puisque elles sont suffisamment diversifiées, mais quand on reste longtemps dans une zone on finit par les avoir tout le temps en tête. On va utiliser l'hamburger. Seul Ness peut absorber la puissance de cieux. Ah bon d'accord, bon moi je me suis fait une montagne pour rien. Ah, Bubule qui s'est trouvé une copine. Oui, elle c'est tout à fait mon genre. Je vais lui demander de sortir avec moi. C'est ça, casse-toi Bubule. Bon bah ça c'est fait, hein. Alors ah, effectivement il y a des gérants. Vu que je sais pas qu'est-ce que ça fait. Vous ne semblez pas très futé, je vais vous expliquer. C'est Pierre forme un dessin, on appelle ça Stonehenge. Les ovnis viennent souvent ici, vous avez dû le voir à la télé dans les journaux. Peut-être. Oui, c'est ce Stonehenge. Donc apparemment, il y a un passage qui je me mets là. Parce que c'était ce qu'avait dit le mec... Oula, c'est pas ce truc. Bizarrement, une sorte de grosse gomme en fer barre la route, d'accord. Je suppose que Claude va nous faire un efface gomme. Une machine qui efface tout ce qui a une forme de gomme. Après les faces crayons, ça paraît logique. Mais donc ça ne sera pas pour tout de suite. Je suppose, parce que je suis toujours en train de faire des suppositions, que ça sera un lieu important après, vu qu'il y a un boss de lieu de pouvoir, c'est que... c'est qu'on va retourner ici. Et donc le labo, vu qu'on parle tout le temps du labo du père de Jeff, je suppose que c'est lui. Vous avez parlé à Monsieur Dédale, le créateur de donjon, n'est-ce pas? Non seulement ce... Quoi? Qui? Mon fils? Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Je n'arrive pas à y croire. Jeff, mon fils, je t'ai pas vu depuis près de 10 ans. Mec, tu l'as foutu à l'école à quel âge? Je suis si heureux de te voir en bonne santé. Tes lunettes te vont bien. Tu veux un donut? Oui. En fait, je faisais te proposer, car moi aussi je mangerais bien un donut. Es-tu déjà allé à Stonehenge? Bon, moi j'ai demandé. Bien. Pourquoi es-tu ici? Ah, d'accord.
Cette fille Paula a dû sentir que j'étais ici. Bien, je vais essayer de t'aider. Je suis en train de créer un disrupteur de phase qui peut relier deux points dans l'espace et le temps. Et cependant encore incomplet. Je te laisse utiliser une autre de mes inventions, baptisée le Skywalker. Skywalker. Elle certes un peu vieillotte, mais elle te sera certainement utile. Écoute, lorsque tu montes à bord, écoute avec attention le message provenant de ta destination. Tu t'en sortiras à coup sûr si tu écoutes le message. Le Skywalker est cette machine ronde là-bas. Qu'en penses-tu? Brillant, n'est-ce pas? Allez, embarque. On se revoit dans 10 ans, ou plus. Ah, il est sympa, ce mec. Ici, il est là. Hop, sauvegardons un coup. Ça serait pas trop mal. En plus, il est 20h, du coup. Bon, on va s'arrêter ici. Parce que je sais pas trop ce que ça va donner, du coup. Vu que je viens de sauvegarder, je vais m'arrêter là. Je vous dis au revoir à tout le monde. Hop. Désolé de pas pouvoir rester plus longtemps. Mais merci de m'avoir suivi. Et bonne soirée.